les falaises sont des habitats soumis à des conditions extrêmes qui sélectionnent une faune et une flore spécialisées. Les corniches, les infractuosités, les failles permettent à toute une cohorte d'espèces de trouver des refuges et des habitats naturels. Telle l'hirondelle des rochers qui porte si bien son nom, une grande adepte des plongeons à pic. La falaise constitue un refuge qui les protège de leurs prédateurs, parmi lesquels l'homme n'est pas le moins dangereux. Et côté survie, la flore n'est pas en reste. Avec le nombril de Vénus, dont les feuillages sont comestibles du moment qu'on arrive à les cueillir. L'alisson à gros fruits qui forme un buisson épineux. Le saponaire de Montpellier et ses feuilles poilues. Le lotier, très attractif pour les pollinisateurs. Ou le capillaire des murailles, également appelé doradille chevelue.